Salut les voyeurs. On vient de se poser à l'instant. Ouais. On a fait plus de 30 km. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. On prend la direction de Paxé. Ouais, on descend vers le sud. Oh, t'as pas envie de parler ce matin. Ben si, mais je pensais que t'allais enchaîner plus de choses. Ah ben, on descend vers le sud, vers Paxé. Et puis voilà. 250 km, sauf qu'on va pas aller jusqu'à Paxé aujourd'hui. Non, ça fait beaucoup trop de route. Ensuite, on s'est fait une petite frayeur quand même avec le scooter, parce que l'agence d'essence descend jamais. Oui, depuis hier, on a pris le scooter, et ce matin, en le reprenant, l'agence n'a pas bougé d'un iota. Non, on a fait en tout 80 km et elle est toujours au taquet. C'est une jauge électronique, hein, c'est des diodes. On verra bien. Donc on a remis de l'essence et on a mis un litre et demi. Donc. On s'est dit c'est cool, ça consomme rien du tout. On sait déjà qu'avec 3 litres, on peut déjà faire au moins 160 km, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. S'il pouvait marcher à l'eau, ce serait encore mieux. Ah ouais, ce serait top. Alors, d'ailleurs, le litre d'essence, autant le dire, hein, donc c'est 1,10€ le litre. Donc c'est correct. On est sur les mêmes tarifs à peu près qu'en Thaïlande. Hein. Oui, c'est 1€, ça. 1,10€, c'est ça quoi. Sur la route, c'est sec. Ah ouais, très aride. Ouais, très aride, pas une goutte d'eau. Bon, bah, les vaches, les chèvres. Que de troupeaux, il n'y a que ça. Ouais, ouais. Faut faire un peu attention du coup. Bon, on roule tranquille, hein, on est à maxi 50. Mm. On a de la chance, hein, pour l'instant, c'est une route goudronnée. Hein, oui. Mais dès qu'on regarde sur les côtés, c'est fini après. Ouais, dès qu'on voit une perpendiculaire, c'est foutu, c'est de la piste, cette terre rouge là. Ah là là. Alors ça, j'ai pas encore essayé. Hein. Les myrtilles. Mais je trouve c'est pas mal. Hein. Moi, c'est un café noir, simple. C'est bien, c'est bon ? Ouais, c'est pas mal. Ok. Tu veux pas goûter ? Non, non, non. Moi, je pense que tu devrais goûter. Non, j'aime pas. Des fruits et du lait. J'aime pas ça. Ah non. On dirait un yaourt liquide. Donc, si vous voulez savoir exactement où on va, nous ne le savons pas non plus. Oui. On roule. On roule, quand on en a marre, on s'arrête. Et puis, on va voir ça ensemble, hein, du coup. Oh oui. Wiki ? Oui ? Pourquoi tu remis tes lunettes rouges ? Parce qu'on a repris la route et je pense que de la poussière on va enlever de la poussière. Donc si on peut éviter d'abîmer les autres, les neuves. On aurait pu partir en bus avec eux ? Oui, on aurait pu, mais on est bien aussi en scooter maman. Mais on est libre, libre, libre. À peine 5 km, on est déjà en pause. Oui, sur la route, on a vu un attroupement. Ouais. Et on a de suite repéré les petits paniers en osier avec des coques à l'intérieur. Et comme depuis, tant que tu me prends la tête avec les combats de coques, tu vas pouvoir peut-être en voir. Oui, je pense que ça se passe juste derrière. Ça se trouve, c'est pas ça, ils font juste de la vente de coques. Non. Alors impressionné ou pas ? Bah c'est quand même un peu gore parce que... Ah oui, bah oui, bien sûr, c'est un combat à mort. Hein. Ouais, mais il lâche pas le morceau, je pensais pas que c'était aussi violent. Entre. Bah je oui, pensais oui. Qu'il se faisait deux picotis et puis il y en avait un qui se barrait et il y a un vainqueur. Oh, ils font des plus gros picotis que tu ne le pensais. Mais bon, ils ont coupé les gros ergots derrière. Ouais, au niveau des pattes, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, les ergots en général. Ouais, 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 mais c'est rien, j'ai le droit de me faire cette réflexion. Donc c'est dimanche, je pense qu'ils vont y passer la journée parce Que ça peut durer un moment, ils sont vaillants les coqs. Il y en a une paire des coqs là pour les combats. Mais ils sont bien dedans, comme une course de chevaux quoi. Et maintenant, bah... on reprend la route. Allez. Mission maintenant, c'est trouver à manger. Ouais, ce serait pas mal, ouais.
Maintenant, faut ouvrir les yeux donc. Voilà. Ouais. C'est pas gagné cette affaire. Il me semble qu'on a vu des marmites par là. Ça doit être par ici. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Allez, fais-nous découvrir un peu écoute, ce qu'on va pouvoir manger ce midi. Bien. Bien. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ouais. Ça c'est bien aussi. Ouais, ouais, super. Ah, poisson, toi tu n'aimes pas trop. Non, je suis pas fan. Ah, des légumes. Petits légumes. Ah non, je vais prendre ça. Ok. Comment ? Regarde, regarde ce que je trouve ici. Tadam ! Yes, on a trouvé autre chose que de la soupe pour midi. Donc ça ressemble à du bœuf, petits légumes, donc carottes, haricots verts, champignons, certainement d'autres légumes, une petite sauce qui va bien accompagner de riz, une sauce à la viande. Ouh, c'est spicy, bon Wiki, hein. Allez, viens manger. Tu me sers, s'il te plaît. Tiens, je t'ai mis plein de carottes. Ouais, si tu veux, mets-moi des légumes, ça fait du bien. Voilà, très bien. Très bien. Merci maman. Mais je t'en prie. Bah tu vois, je pensais qu'on mangerait encore une soupe. Oui. Et puis pour finir, parce non. Qu'il y a quand même beaucoup de soupe. Comme ouais. On l'a dit, c'est dimanche, donc on a du mal à trouver des troquets avec autre chose que de la soupe. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on s'en est bien sortis. Exactement. Ben voilà. C'est parfait. Spicy. Mais parfait. Mais spicy. Donc là, on quitte la route principale. Oui. Oui, j'ai vu un petit village au bord de l'eau. Bien sûr, je me suis informé. Apparemment, dans ce village, on travaille la soie. Maintenant, c'est dimanche, comme tu l'as dit. Mmh. On va voir ça. Oui, parce que on ne sait pas trop ce qui s'y passe dans ce village. Non. Ça sera une surprise totale, hein. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Puis, déjà, on a déjà assisté au combat de corps, c'était déjà sympa. La viande est balèze, hein. Balèze dans quel sens? Je dirais du chewing-gum. Oui, bah oui. Ça va, tu te refuses rien? Ah, un petit peu de chauffe. Ouais, léger. Ouais. Premier papillon. Oh la hausse, maman. Eh oui. Donc j'aurais attendu quand même 48 heures, un peu plus même. Et ça va? Pas c'est trop difficile, dur. C'est ouais. Difficile. Là, du coup, des fois, j'ai des petits coups de mousse sur le scooter. Ouais. Là, ça va aller mieux. Alors, mon Wiki, tes premiers mots de là-haut? Oui, mais le problème, c'est qu'en demandant combien ça coûte en laotien, on nous répond en laotien. Et du coup, c'était ensuite, certain. C'est un peu la galère. Donc ça ne se reproduira plus en fait, tout simplement, maman. Moi j'ai demandé les toilettes. Oui. Et j'ai trouvé direct et on m'a rien répondu. On m'a fait signe avec le bras, c'était comment parfait. Comment demander toilettes et ensuite t'as pu te débrouiller. Voilà. Donc tiens, pour le repas, 2,80€ pour les deux assiettes. Oui. Et la glace comprise également. Et donc à l'occasion, c'est l'heure de remercier les tipeuses du jour. Oui. Lubna et... Imen. Imen, voilà maman. Merci pour votre générosité, merci pour cette première glace, il y en aura bien d'autres, bien sûr. Tiens, si ça t'intéresse, nous sommes à Paksong. Ça fait un peu ville américaine, hein, il n'y a rien, enfin pas grand chose. Il manque un saloon. Ouais. Pour boire des bières. La direction, c'est là-bas derrière. Hein. C'était pas trop des bières, c'était plutôt du whisky, non? Du scotch. Change de piste. Oui, ben tu vois, c'est pour me contredire. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que quand on va quitter la route principale, ce sera de la terre rouge, de la piste. Et pour finir, ils viennent juste de faire la route, en fait. Ouais. Mais bon, après... C'est pas très safe. Ouais, ils viennent juste d'être posés, ça glisse un peu. Mais bon, ouais. Ça va, ça va. Ils étaient trop contents de nous voir. Ouais, ouais, ouais. Ah, regarde-moi ça. Regarde les biquettes. Eh oui, quand c'est pas des vaches, ce sont des chèvres. Oh,
Viens à gauche là-bas. Il y a le reste du troupeau. Et ça se termine jamais en fait. Allez les filles, t'as vu comme je parle bien le langage des chèvres? Ouais, tu parles bien la chèvre, maman, très bien. Alors là, bon courage. Oh là là, ça, ça fait flipper. Oh. On dirait qu'on arrive dans le village. Ouais, le village de Lahanam. Alors là, ils doivent pas en voir tous les jours des touristes, maman. Ce serait pas un temple? Ouais, j'ai bien l'impression. En rénovation totale, hein. T'as vu un peu? Ouais. Tout cet échafaudage de bambou. Quoi, c'est la mer en face? Exactement. Je t'amène à la plage, maman. Mais bon, tu sais, moi et les plages. Ah oui, dis donc. C'est sympa tout ça, mets-toi de ce côté. Pourquoi? C'est pour me faire une remarque? Non, pas du tout, je viens de dire c'est sympa. Bah oui, dis donc, mais après, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, mais je pouvais pas savoir que ça servait également de déchetterie à un moment. C'était pas marqué sur Google Maps. Ça va les filles? On se régale? Oh là là. Elle mange des feuilles, hein. Elle mange pas les poubelles. Mimi. T'as pas vraiment un réel succès avec les chèvres. Non. C'est bon, t'as bien profité de la plage? Oui, allez, allez, tourne. Mission maintenant, trouver quelqu'un pour poser le scooter, boire peut-être un verre, et ensuite, à la recherche des tisserands. Tu voulais du rural? Je t'offre du rural, maman. Okay. On essaye de boire un verre, alors? Oui, on va essayer. Ça devrait être possible. Ah, par là-bas. Ah, vas-y, vas-y, je t'en prie, maman. Là-bas, il y a deux petites filles qui commencent à approcher, puis pour finir, il y a la grand-mère. Ah, elle nous offre pas à boire, regarde ce qu'on cherchait. Tu vois, cache, maman. Waouh. Les filles, là, ce sont les mêmes machines que celles que nous avions rencontrées au Cambodge. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils travaillent à la fois. Ah. Eh oui, pour passer le fil. Bien sûr. Tout le monde vient voir ce qui se passe. Oui, oui, on vient à la salle tout de suite, ça, on est l'attraction du village. Elles veulent nous voir les petites, mais dès qu'on s'approche un peu... Ouais. De loin, c'est bien. Ouais, de loin, c'est très bien. Ça leur plaît. Alors, ne me demande pas à quoi elle joue, je ne sais pas, maman. Aux dames? Ouais, peut-être. En tout cas, le français, ça les fait bien rire. C'est qui? Le patron? Je me suis pas trompé. Mais on s'en c'était fout. C'était bien un village de tisserands. Oui, allez, très bien. J'avais les bonnes infos, c'est important, maman. Moi, ce que je vois, c'est que les maisons sur pilotis, les pilotis sont super hauts. Ouais. Et quand on voit l'eau là-bas, comme elle est basse, ça doit monter super haut quand même. Tu penses que ça vient jusqu'ici, toi? Ben, pourquoi ils feraient des maisons sur pilotis comme ça si c'est pas... Mais ça, t'as raison, t'as peut-être raison. Ouais. T'as vu les tissus là, ils sont colorés, ils sont jolis aussi. Ça va, Heidi? Ça va, Heidi? Ah là, ils viennent d'être teints. Ouais. Tu n'as pas vu tous les chats? Où ça, Wiki? Bah là. Oh, Nini! Mimi! Waouh, il y a même un terrain de foot. Ouais. Ça vibre pas autant que ça a pu vibrer hier au stade Bollard, bien sûr. Ah, fallait que tu la places celle-là. Hein. Tu sais pas si ça se trouve, c'est plein ici pendant qu'il y a un match peut-être, de foot. Peut-être. Déjà, il doit y avoir tout le village. Ah, il y a des fortes chances, ça c'est sûr, maman. T'as vu un peu l'engin? Quand on loue un scooter, trois quarts du temps, on fait le tour et on regarde. Ouais, pourvu que ça fonctionne. Pff, c'est bon, les pneus, ça va aller.
En fait, ça fonctionne, hein. Tout fonctionne. T'en as pas eu assez avec ta boisson vitamine B12? Faudrait que j'essaye de mâcher maintenant. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bien, je pense qu'il y a moyen de trouver quelques marches pour descendre. Bah, qui dit descendre dit remonter. Alors, tu après, m'as moi, pris ça, pour. Je sais pas, après, c'est pas moi qui fais. Moi, je te propose de descendre. Ah ah! Ça va aider. Parfait. Tu viens pas. Il n'y a pas les escaliers. On est descendu un peu trop vite. Non mais apparemment je suis caméraman aujourd'hui. Là-bas il y avait. Ouais, je m'en fous, je m'en fous. Ah c'est dommage, mais c'est pas grave, faudra remonter quand même. Hein. On prend le bac, on traverse. Alors là, l'expression on peut s'en servir. Hein. Il est bien dans son jus celui-ci. Hein. Ah mais c'est suffisant. Il fait le job. Exactement, ça suffit. Écoute, s'il est là, c'est que ça fonctionne bien, comme tu le dis. Tu te posais la question de savoir si on pouvait se baigner. Bon, bah t'as la réponse, hein, maman. Ah, ils ont la foi. Ah ouais, on peut se baigner, donc. Bon, je pense que c'est juste sur le bord de la rive où c'est un peu... Et après... Tant mieux. Il y a tout le village. Ah ouais. Il s'éclate en tout cas. Tu vois, maman, cette barge fonctionne. On a le pilote qui arrive de la rive d'en face, tranquillement sur sa barque, sa double barque. Ouais. Catamaran alors. Pour venir récupérer la barge. Parce qu'il y a un véhicule qui veut traverser de l'autre côté. C'est bon, maman, on va pas patienter 2 heures. C'est archaïque, mais efficace. Oui, bah, il va chercher 2 véhicules, on va pas attendre qu'il les ramène. Tu te calmes. Tu peux me montrer les clés du scooter? Tu les as laissées où? Elles sont où? C'est toi, Bambane, hein, une fois de plus, tu les as laissées. T'as tout laissé. Les sacs, les clés du scooter, les casques. Ouais, ouais, bah oui, tout, comme d'habitude. Ouais, jusqu'au jour où... Ah, jusqu'au jour où... Oh là, on sera vraiment minimaliste. Ah, alors là... Bah là, tu fais le fanfaron. On pourra pas faire mieux. Ouais, tu fais le fanfaron, tu vas moins rigoler quand on t'aura piqué ton ordi et tout team. C'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Ah, t'auras plus... bah regarde, je le vois d'ici, il est à 100 mètres de là, le scooter. T'auras là, vous le verrez pas. Histoire. Effectivement, j'aurai plus de t-shirt histoire. Il faudra retourner à Istanbul en acheter un autre. Intrigué par cette caméra. Mais qu'est-ce donc? Quel modèle de GoPro? C'est ça que tu veux savoir? C'est la 10. Ouais, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Ah, elle a peur celle-là, gars. Ouh, elles sont pas contentes. Bah, tu m'étonnes. Déjà, elles comprennent pas ce que tu dis. Mais si, elles comprennent ce que je dis. N'aie pas peur. Mais tu t'es vu avec ton bob? Si elle a peur, elle me fonce dessus. J'ai eu chaud. Hein. Bon, maintenant je vais boire un bon cappuccino bien frais avec un peu de chantilly dessus. Ouais. Génial. Mmh. Et le saucisson, c'est un fruit. Non, ça les pépins, dans... c'est des morceaux de gras à l'intérieur. Dans les arbres. Vas-y, mets la caméra jusque je là. Je la mets comme je veux, je m'en fous, je vois rien. Regarde. Ah, ça fait comme ils font les jeunes, ils font du vlog. Hein, ils font comme ça. Tu te calmes. Et là, c'est quoi? Ce serait pas un autre scooter? Super. Y a plus les clés. Oui, bien sûr, maman. Mais tout le monde t'a vu, maman, prendre les clés. Elles étaient dans ta poche. Arrête tes bêtises. Eh ben, c'est pas grave. Mets ton sac sur le dos, on repart à pied. Allez, c'est parti. Tiens, regarde. Ouais, quoi? Vous avez jamais vu un signe obscène? Tiens. Tu
Tu me récupères sur la route? Dépêche-toi, va voir, ils sont en train de faire... Ils sont en train de tourner le fil. Ils sont en train de faire du fil, allez voir. Tu mets mon casque, s'il te plaît. Oui, allez, vas-y, mets mon casque. Allez, vas-y, amuse-toi. Voilà, t'es contente? Ah, merci. Ouais, bravo, je vois rien. Comment bonjour le clown. Tant pis si je te pince un peu. Hein. Ouais. Voilà. Allez, vas-y, go to l'hôtel. On n'est pas arrivé, je te le dis, je sais même pas quel hôtel, on n'a rien réservé. Elle bouge pas, je prends la gauche, maman. Ça va dire. Arrête-toi là, il doit y avoir des frigos. Oui, exact. Je les vois d'ici. Et ils sont vides. Non, ils sont pleins. Ah yes. Donc pour toi, Wiki, ce sera un thé citron miel. Très bien, ça me convient, maman. Parfait. Et pour toi, une bière. Un Sprite. Un Sprite, bah ok. Et voilà. Pas très froid? Bah, ça souffle froid à l'intérieur, mais les boissons sont pas très fraîches. Bon, ça écoute. Ça évitera d'avoir mal au ventre, mon oui. Allez, on va payer. Ouais. Anna. Et oui, pour le prix, c'est un peu compliqué, parce qu'il ne parle pas l'anglais. Ok. Très bien. 14 000. La conversion compliquée là, maman. Eh ben, tu inscriras. Ouais, là, juste bien. Là, tu mettras. Je mettrai ici. Ouais, c'est ça. Oh, Nini, toujours l'élève sous le maître. Ah ouais, bien sûr, c'est bien. Tiens, vas-y, tiens, raconte ta vie, moi je bois. Excusez-nous, on a extrêmement soif. Ouais. Il fait plus de 35 degrés. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Non mais c'est mieux que 12 degrés et de la pluie, tu vois, par exemple. Oui, c'est mieux. Je me plaignais pas du tout, je faisais une simple constatation. Bien. Pour informer les gens qui suivent cette vidéo. Moi, je le sais, maman, que tu ne te plains pas. Ah. Maman. Il y avait vraiment deux sièges, il a fallu que moi, je me retrouve sur le plus petit des deux. Hein. C'est normal. Je t'ai dit, l'élève en dessous ouais, du mètre. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut se trouver quand même une chambre d'hôtel, on n'a rien, là. Ouais. Donc ce qui va se passer, ça va être simple. Ouais. On finit notre boisson, on remonte sur le scooter. Et on va rouler parce qu'il y en a pour un petit moment avant d'arriver sur une ville dans laquelle on pourrait trouver au moins une guest house ou une chambre d'hôte. Fin... Ouais, donc on va se retrouver directement à l'hôtel. Prêt pour la route, Wiki? Ouais, 70 km à faire maintenant encore. Pou, 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 pou. Il va pas arriver. Ça va aider. Waouh, c'est bien heureux qu'on arrive enfin. Ouais, on a bien roulé. Mais bon, 1h15, 1h30 presque même. Pour faire 70 km. C'est comme ça. Bon, je pense qu'il devrait avoir des chambres de lit parce que c'est pas full. Hein. Ouais, le seul. Il n'y a pas full donc plutôt. Ouais, on connaît pas les tarifs non plus. Non, je connais rien. J'ai juste vu sur la carte qu'il y avait deux guest house. Une d'abord là-bas si on ça ne fonctionnait pas ici. Mais apparemment, ça va aller. Petit salon pastèque. Alors, mon Wiki. Juste après le salon orange, on avait de l'autre côté. Ici, c'est pastèque, comme tu viens de le dire. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Une petite chambre. Mais franchement, bien, le lit est grand. Attends, je quitte mes chaussures. Oui, quitte tes chaussures, effectivement. Ouais. Regarde donc... ça un peu. Je te ah ouais, la chambre n'est pas aussi grande que tout à l'heure. Hein. Non, mais... Hier, c'était la réception transformée en chambre. C'est pour ça que c'était immense. Ben oui. Bureau. Non, mais bien, regarde, franchement. C'est super propre. Une toute petite table pour moi travailler. Comment je paye bien, regarde. Ben, comme je t'ai dit, hein, l'élève sous le maître. Hein. Ouais. Shampoing, en un mot. Ouais. Savon. T'es en contre-jour, hein, tu viendras parler. Oh là là, je suis jamais en contre-jour. Allez, vas-y. Allez, une salle de bain. Eh ben, regarde, elle est bientôt plus grande que celle d'hier. Ben, douche, lavabo, WC. C'est pour ça. Il y a donc de l'eau chaude. Oui, mais c'est très très propre. Ben écoute, je ne regrette pas pour la télévision bien sûr, mais ça c'est pas important. Il y a le wifi, viens ici. Oui, il y a le wifi, bien sûr. Il est là. Oui, il y a le wifi, ouais, il est super. Oh, tout va bien. Tu veux savoir combien ça nous coûte cette affaire? C'est ça.
100 000 kips. Tu veux donc que je fasse la conversion aussi? Ben oui, calcule. Allez, 5,60€ la nuit. Putain, c'est cool. Et on a même de l'eau à volonté, t'as vu? Ouais. On a deux petites bouteilles dedans, mais plus, je vois, il y a un distributeur. Allez, va chercher les sacs. Oui, ben je remets mes chaussures, je vais pas marcher dans l'herbe et dans la terre. C'est calme. Ah oui. La route est juste là au bout, là. Tac, tac, tac. Après, c'est toujours pareil, c'est calme si t'arrêtes de parler. C'est pas la peine de faire cette tête, hein. Maintenant que t'es rassuré qu'on a un toit pour ce soir, tu es prêt, on peut aller boire un petit coup, se rafraîchir. Bien sûr que je suis rassuré, mais c'est surtout qu'on a déjà commencé. J'ai déjà envoyé les rushs sur l'ordinateur, maman, pour gagner du temps. Oh, t'es fort, Wiki. Et là-bas, t'as vu? C'est quoi? Je serais pas obligé d'installer le mien. Il y a un grand fil avec plein de cintres. Très bien, Wiki. Et on va faire la lessive, maman. Allez. On va faire un saut en ville? Ouais. Tu montes plutôt que de me filmer sans arrêt. Allez, go! Ça va, Eddy? Ça va, Eddy? Eh ben, Nini! Je suis pas content. Ça va, Eddy? C'est une belle petite supérette. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as trouvé, un trésor? Non, pas un trésor, un savon et du café. Donc, à l'unité, parce que je regardais, ils vendaient que des sachets de... On va pas prendre tout ça, quoi. Non. Au moins 30 là-dedans. Donc, ben, deux pour demain matin. Parfait. Rouge ou vert? Rouge. Tu es bien coiffée, maman, dis donc. J'en sais rien, je m'en fiche, j'ai enlevé mon sac plastique. Voilà, on là. S'en fiche, exactement. Moi, regarde, je m'en fiche. Eh oui, je suis coiffée, c'est bien. Fais-moi goûter. Ah, nouvelle glace. Vas-y. À la pastèque. C'est bon, goût pastèque? C'est exactement ça. C'est exactement le goût de la pastèque. Mmh. On a fait nos petites courses comme les petits vieux à l'heure de la fermeture. Waouh. Ça fait du bien de se poser, hein. Ah oui, quand même, maman. Oui. On a bien roulé. On a bien roulé. On a fait quoi, 170 km aujourd'hui? Attends, je pose là, truc. Oh, voilà. Oui, 170 km. Mais bon, c'était sympa. Ils sont gentils comme tout. On passe au bord de la route, ils nous font signe, ils nous disent un petit bonjour. C'est ouais, très agréable. C'est vrai, ça rappelle... Attends, le véhicule passe. Il y a un seul pick-up. Il est pour nous. Il passe dans cette rue, bien sûr. Donc ça rappelle un peu le Cambodge. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Ils sont contents quand on s'arrête, tout le monde arrive, c'est vrai, vraiment c'est sympa. Chouette. Ouais. Ça n'arrive pas en Thaïlande, par exemple. Non, ça n'arrive pas en Thaïlande. Le pays du sourire. C'est peut-être parce qu'il y a trop de touristes. Exactement. Donc du coup, ils en ont t'as plein les... Raison. Les bottes. Les bottes, oui, c'est les bottes, ouais. Alors qu'ici... Il n'y a pas trop de touristes. On a croisé un couple sur un scooter, c'est tout. Ouais. Ouais. Bon, après, on va arriver dans une région, on va en croiser beaucoup plus, ben, parce que oui. Tout le monde vient justement pour faire cette fameuse boucle, on en parlera plus tard. Mais bon, pour l'instant, on est tranquille. Parce que les gens arrivent généralement en bus oui. Jusqu'au départ. Et nous, on y va en scooter, donc évidemment. Vous voyez comment c'est quand ils ne parlent pas pendant 50 bandes sur le scooter, dès qu'on s'arrête. C'est fou, ça. C'est fou, ouais. Ouais, ouais. Et bah, il écoute, a manger ma glace. Un besoin irrépressible de parler, raconter des trucs. Quand c'est pas des histoires, c'est autre chose. Pas de temple, hein? Non, pas de temple. C'est fini, les temples. Ici, on en a croisé une paire sur la route. Eh oui, mais... tu m'as interdit d'y aller, certainement. Exactement. C'est qui le boss? C'est moi. Donc, oui, il n'y a que plaisir. Les pourtours du temple et une petite cabane. On réglera les comptes à l'heure. Et une petite cabane au centre. Donc, pas grand-chose, finalement. Et on s'arrêtera une fois pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, c'est pas... Non. D'accord, très bien. Oui. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Ça va, tranquille, t'as rien foutu aujourd'hui, hein? C'est une blague. Sérieux. T'as fait déjà, j'ai conduit 170 km. Wow.